Hey, do you remember that guy that we met on the revival tour? What was his name? I don't know, but I think he was named after like a band. There's a band named Styx, like the man named Styx. He had tattoos on his face, tattoos all over the place. Salut et bienvenue sur la chaîne du Loup-Garou, Lycanthrope 67 pour vous servir. Ce matin, je vais faire un petit streaming sur Armored Warfare en essayant de faire une comparaison pour montrer que tous les cons, je suis désolé, hein, faut le dire ce qu'il est, que tous les cons qui jouent juste pour plaisir de faire chier le monde, ah ben on les retrouve sur tous les jeux. Hier, j'ai fait 2-3 parties sur Armored Warfare. On se retrouve avec le même genre de boulet, obus, tête creuse que sur World of Tanks. Donc, autant Wargaming fait des erreurs de com, machin et compagnie, n'écoute pas trop les joueurs. Armored Warfare, pour le moment, on peut pas trop dire. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Par contre, je peux vous garantir que des idiots comme sur World of Tanks, eh ben, on les trouve à la ramasse. Des games perdus à 15-5, 15-2 en moins de 5-6 minutes, on les retrouve également sur Armored Warfare. Pour exemple, hier j'étais en Arty avec la M109 là. J'ai dû faire, allez, chrono en main, peut-être 3 minutes dans la partie. Je me suis retrouvé avec 5 chars et demi sur la gueule. Je peux pas dire autrement. Les mecs, des passoires de puissance 10 000, 2-3 parties comme ça, j'ai dit c'est bon, j'ai arrêté le jeu pour la soirée, quoi. Je me suis mis sur autre chose pour décompresser. Donc ce matin, en espérant qu'il y ait du monde, je vais essayer de jouer différents types de chars et essayer de voir si effectivement le ressenti que j'ai eu hier il se confirme ou pas. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par l'artie d'hier. Et bataille joueur contre joueur. C'est parti. Donc on voit déjà qu'on est 18 tiers 4. Et a priori je serai le seul canon automoteur. Donc là pareil, petit bug d'affichage. Hein. Je pense que ça après... Ils vont le montrer. Alors ce matin je mets pas ma cam pour que tout l'écran soit bien visible. Je laisse juste en plan le logo de notre clan et un de mes avatars. Ouais, j'en ai 36 000. 4 000 pour pas être vulgaire. Donc on va voir si ce qui va nous mettre déjà niveau matchmaking. Pareil, hier soir on s'est retrouvé, bon, il y avait un tiers de différence, c'est-à-dire nous on avait un tiers 7, eux ils n'en avaient pas. Donc même qu'on avait un tiers supérieur au rouge, il y en a qui ont trouvé le moyen de se laisser rouler dessus, quoi. C'est dommage qu'on ne puisse pas poster les replays ou sauvegarder des replays comme sur World of Tanks. Parce que je peux vous garantir que des Lemmings trains, des rushs suicides, magnifique. Magnifique. Ça change pas par rapport à WOT. Donc la musique que vous entendez derrière, c'est du groupe Styx. Donc ça date des années fin 70, début 80 je crois, ce clan, le groupe. Moi j'aime bien, pourtant c'est pas du tout mon genre de musique, donc on est déjà à 1 minute 50, pratiquement 2 minutes avant que la partie ne se lance. Il va falloir que je change, on est 8 canons automoteurs. Faut arrêter quoi. 2 minutes, allez. Bon après, 46 joueurs, ils n'arrivent pas à équilibrer. Ouais, hein, il y en a 10 en tier 1, donc effectivement ça fait mal quoi. Donc est-ce que le fait, donc moi je suis quand même pour d'avoir un maximum d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous voyez l'adresse qui s'affiche au-dessus. Plus j'ai d'abonnés, plus j'aurai de chances de pouvoir offrir peut-être des clés à des abonnés, des amis, pour essayer Armored Warfare. Malheureusement, pour moi, je suis encore très loin des abonnés.
Ah, musique finie. Mais de la vraie musique, hein. Ah, allez, ça va partir. Voilà, c'est parti. Donc, bon, il n'y a pas de tiers 7. Ah, il y a une différence de 3 tiers. Hein. J'étais en tiers 4, je me suis retrouvé face à du tiers 6. Nous, on avait un tiers 7. Voilà. Donc, la map pour Tempête. Hein. Et on va voir ce que cela va te donner. Déjà, il y a une artiste chez nous. Ah, pas eu le temps de voir. Une artiste chez nous et deux en face. Alors, ah non, j'ai rien dit, autant pour moi, il y a deux artistes chez nous. Allez, on est poli, le petit bonjour du matin. Voilà, on est poli, hein, on dit bonjour. Donc là, le but du jeu, c'est de capturer la case qu'il y a ici. En gros, enfin la case. Donc je vais prendre mes distances. Alors vous allez voir à chaque fois, on profite hein, pour expliquer un peu le jeu. À chaque fois que je tire, vous allez voir un cercle qui apparaît près de chez moi ou près de l'artillerie ennemie. Plus vous tirez, plus ce cercle deviendra précis et vous risquez de vous faire counter. Ah, on me répond, je vais répondre aussi. Hein. Je me suis loupé. Voilà, c'est déjà plus mieux. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Raté. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de voir, hein, il y a effectivement... Hop, il y a une artie qui vient de tirer. Ah, une deuxième, vous voyez? Donc là, à la rigueur, hop, je vais déjà essayer de me positionner si j'ai pas d'obstacle, si j'ai bien un obstacle devant moi, voilà. On va essayer de donner un support. Donc pareil, les mecs, ils viennent râler le jeu, ils viennent râler parce que voilà, ils désertent, comme sur World of Tanks. Mais ouais, Sky Cancer et compagnie. Mais bonhomme, vous plaignez pas déjà sur World of Tanks, vous devez attendre d'avoir le sixième sens pour dire que vous êtes détecté. Là, vous ne l'êtes pas. Je vais juste ici avec que je tire. Et bien sûr, c'est parti. Ah, je vais quand même faire un petit 114. Donc, oula. Je ne vais pas me trop me déplacer sinon je vais me mettre à découvert. Ils viennent râler comme quoi, ouais, Arty, Sky Cancer et compagnie. Comme je disais, ils ont le sixième sens d'entrée de jeu. Ils ont... voilà. Donc on perd déjà 12-14. Hein. Ah, on va reculer. Est-ce que je vais le toucher? Oui, 231, super. Donc a priori, la précision n'est pas trop mauvaise pour les Arty. Mais je vais quand même réussir à finir la phrase que je voulais dire. Quand on leur tire dessus avec l'arty, ça leur signale. Donc ils ont encore une fois le temps de répondre. Voilà, 11-14, on perd. Même genre de boulet, je peux pas dire autrement. On va essayer. Ah zut, je peux pas lui donner le support, faut que je recule encore. Bug, hein, on dirait que le char y vole. Parti. On voit que le véhicule ne touche pas le sol. Hein. Allez, 10-14. Là, on va se prendre encore une branlée, vous allez voir. Ah ouais, effectivement, hein, on se retrouve dans la guerre des étoiles. Et
l'autre qui donne aucun support à l'artiste. Ça y est, il y en a un enfin qui se décide à venir et il se mange méchamment. Donc vous voyez le genre de boulet, effectivement obus-tête creuse, qui se retrouve également sur Armored Warfare. On joue pour gagner, on essaie de faire quelque chose. Non, il y a des mecs qui viennent, ils vous pourrissent la game, quoi. J'ai juste déjà envie de faire un rage kit, quoi. D'entrée de jeu, première partie. Je vais me laisser mourir. Mais je sais pas. Oh joli, ça c'est une belle destruction. Ah, il a disparu, sac à... Ah, vas-y, je vais me faire counter, j'ai pas fait gaffe. Je vais pas tarder à me faire spot, hein, voilà, deux qui arrivent, youpi. C'est pas possible qu'ils me voient pas. Ouais, je vais avoir l'artiste sur la gueule. Voilà. Ah, l'artiste, voilà. Bah, ça va, ils ont quand même bien remonté. Je veux pas dire, mais vous voyez à quel niveau le niveau des joueurs. Vous voyez quand même le niveau des joueurs, quoi. Je suis pas un ancien sur le jeu. Je reste objectif. Je suis pas un ancien sur le jeu. Je joue, j'essaie de gagner. On voit des mecs qui font du rush suicide, des mecs qui ne savent pas anglais. Pourtant, c'est au niveau angle, ça peut très bien se faire sur ce jeu également. Donc je sais pas. Franchement, je dirais presque les mecs. Si vous avez envie de jouer juste pour nous casser les couilles, délaitez le jeu. Délaitez le jeu, quoi. J'ai dit, nous, on est juste là pour s'amuser, essayer de faire des bonnes games. Voilà, on n'a pas envie de tomber avec des obus à tête creuse, les mecs qui réfléchissent pas, quoi. Si c'est pour jouer, se prendre des branlés et branler, allez jouer, je sais pas moi, à taper ta mouche, au billet, j'en sais rien, quoi. Mais nous cassez pas les couilles. Ah tiens, j'ai juste eu le temps de lire shit un idiot team. Donc ouais, je suis pas le seul à râler, quoi. Donc là j'étais en arty. Alors, on va voir, bon. On va voir ce que ça donne avec un autre char. On va prendre un lance-missile. Ça compte. C'est un. Tout autre gameplay, ça. Hein. Donc voilà. Et une défaite. On va juste quitter. Voilà. Alors, une défaite. On va voir les résultats. Hein. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça, c'est les joueurs. C'est les performances. Progression. Bon, ça va. Moi, je progresse. Je vais pas me plaindre. Voilà. Donc, le reste, je m'en fous. C'est juste en termes de dégâts. Sachant que je suis en arty, j'en suis. Donc, on a déjà 1, 2, 3. 3 chars, 0 dégâts. Magnifique. À tier 1. Qu'est-ce que le tier 1 il vient foutre contre du tier 4? Il a franchement aucune chance. En face, est-ce qu'on se retrouve avec un tier 1? Non, mais il y a du tier 2. On a deux tiers 1. Et en face, je raconte pas de conneries. On va hop. On va par peloton. Ah, on peut pas les trier. Si. On va trier déjà. Voilà. Donc on se retrouve, nous, avec deux tiers 1. Premier file. Donc là, je vais vous dire ce qui est. File Armored Warfare. Oh, je rappelle jamais. Je vais juste chercher 30 secondes. Ah
My Home, ça c'est ça. Official Website. Bon, on sait que c'est un MMO. Ouais, enfin bref. Donc, le concepteur du jeu, déjà, niveau équilibrage, fail. Il a mis 2 minutes à sortir un match. Et on se retrouve déjà avec un déséquilibre monumental d'entrée de jeu. Donc, 2 tiers 1 pour nous, 0 en face. Ils ont 2 tiers 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiers 3, ils en ont 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiers 4. 1, 2, 3, 4, ils en ont 5. Voilà. Le seul avantage qu'on avait, un tiers plus, un tiers 4 de plus par rapport à eux. Ce qui nous fout dedans, ce qui nous fout personnellement dedans, c'est ces 2 tiers 1. Alors là, je ne vais pas critiquer les joueurs. Pardon. Je ne vais pas critiquer les joueurs. Mais le matchmaking, il est à chier. Il était à chier. Après, comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, 1, 2, hop, attendez, ça c'est quoi? Alors c'est le nom du char, le nom du joueur, filtré par le nombre de véhicules ennemis détruits. Donc on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs à avoir fait 0 kill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, il y a une différence de 2 joueurs chez nous qui n'ont pas fait de kill, 2 en plus chez eux. Ça joue déjà. Véhicule, alors filtré par le nombre total de véhicules ennemis que le joueur a aidé à détruire. Alors, on va voir ça. Et eux, hop, c'est ça. Allez, on voit que chez nous, 1, 2, 3, 4 joueurs. Bon, franchement, 0. 0. Ils ont servi à rien. Chez eux, 1 qui n'a franchement servi à rien. En termes de dégâts. On a 3 joueurs à 0 dégâts. Useless. En face, 1. 1. Donc, vous voyez déjà le niveau des joueurs. Eux, ils jouent pour gagner. Moi, je joue pour gagner. Mais il y en a quelques-uns. Je joue. Clic-clic. Voilà. C'est réglé. Alors, véhicule ennemi repéré. Même moi, en artie, j'en repère. Lol. Donc là, ça va. C'est plus ou moins équilibré. Bon, après ça. Total nombre d'équipages ennemis que le joueur a mis hors de combat. Je pense que ça, c'est pas encore à jour. Ça, c'est pas encore à jour. Mais voilà. Donc on voit franchement que les joueurs, ils en ont rien à péter. Et s'ils en ont rien à péter, qu'ils aillent jouer aux cartes, quoi. Au moins, ils n'emmerderont pas le monde qui veulent progresser, quoi. Donc on va prendre un autre tier 4. Hein. Tout ça, c'est tout un autre gameplay. Hein. C'est pas un véhicule de front. C'est vraiment rester très 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 loin derrière. Et là, au bout de même pas 20 secondes, 10 secondes même pas, la partie est lancée. Alors, qu'on m'explique pourquoi quand je prends un tiers 4, il leur faut plus de 2 minutes pour trouver une partie, et là il en faut à peine même pas 20, quoi. Pour info, s'il y en a qui sont intéressés par le jeu et qui recherchent une team. Hein, venez postuler sur notre forum. Je me fais ma petite pub. Je vais juste encore faire celle-là. Après, j'ai 2-3 petits trucs à faire sur le PC. Et je reviendrai peut-être plus tard. Enfin, je reviendrai, ça c'est sûr, un peu plus tard pour faire notre streaming. Et rester objectif. Mais je reste objectif. Je joue et j'essaie de gagner, quoi. Moi, je fais de mon mieux. Je le sais. Après, malheureusement, les 14 autres gaziers qui sont avec moi, ben, je sais pas ce qu'ils valent. Vous me direz, eux ne savent pas ce que je veux non plus. Ah, 12 FPS. Juste. Tiens, paramètres. Est-ce qu'on peut désactiver les traces de chenilles? Ouais, est-ce qu'on peut voir ça? Texture. Oh. Ça, c'est quoi ça? Contrôle gameplay. Caméra inactive. Non. Bon, allez, hop, c'est pas grave, on va revenir au jeu. Voilà, donc on voit sur la minimap une majorité de joueurs qui part allez, sur le flanc est, quelques joueurs sur le flanc ouest, personne au milieu.
Voilà quoi, donc moi je suis désolé, ben, je me mets à leur niveau, hein. M'excuser. Je vais essayer de prendre un peu d'hauteur pour envoyer mes missiles. Faut que je trouve un pont pour passer. Alors pareil, il y a certains trucs que je comprends pas au niveau jeu. Vous voyez, là, on passe pas. C'est quoi ce bug de merde? Alors qu'on détruit une maison derrière. LOL. Je passe pas. Ah merde, c'est moi, j'ai rien dit. Autant pour moi. Oh là là, c'est moi le boulet sur le coup là. Oh, moi, un trou de souris, vite, vite. Un trou de souris. Bon, on va essayer de toucher quelque chose, hein. C'est bien ce que je disais, hein, les mecs qui se promènent au milieu, voilà. Bon, machin reload, hein. Bon, ça c'est particulier, hein, cet engin. Je peux même pas dire c'est un filo guidé ou un truc dans le genre, hein. Dommage. Je suis repéré. Voilà, vous voyez? C'est ce que j'ai dit. Personne middle, les mecs ils sont plaisent quoi. Et on est de nouveau en train de se faire ouvrir. Ils reprennent le dessus? Moi j'y crois pas trop, hein. J'ai dit quoi? Toucher une fois? Pourquoi ça disparaît? C'est du jeu! Alors, je peux même pas lui donner un support quoi. Bon, ben, on va mourir hein. Ah, repérer. Donc on va prendre la tangente, hein. Je suis désolé pour l'artie. Ah, un scorpion, un char lourd, Ah, j'ai pas encore retiendu les. Voilà, on a un super scorpion qui est resté caché. Et les mecs ont gagné à la cape. On prend le pari? Pourquoi j'ai une chute d'FPS? Croyez que le scorpion il va aller décaper? Non, non!
Moi ça sert à rien, mais il faut un temps de... Est-ce qu'on peut passer? Ouais je sais, je tente le diable, mais bon. Bon a priori on peut pas. C'est pas possible. Vous voyez? Alors on... Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand je vous dis que c'était des mecs au but à tête creuse. Comment ça? Je l'ai pas touché, c'est quoi cette blague? Et voilà, voilà. Je vous le dis, je reste objectif. On se retrouve avec le même genre de boulet que sur World of Tanks. La preuve en deux parties. L'autre con, qui n'est pas parti décapé. Bon, l'artiste, je peux comprendre qu'elle puisse pas faire grand chose, parce qu'avec la précision qu'elle a à courte distance. Et les autres d'un coup qui se font ouvrir comme des merdes. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça me saoule de tomber, d'avoir des putains de bons jeux et de se retrouver avec des mecs avec le quotient intellectuel d'une huître. Je dis pas que je suis je m'appelle pas Einstein, ça c'est sûr. Mais comme dit, je reste objectif. Je joue, c'est pour la victoire. C'est français quoi, enfin j'ai l'impression de jouer avec des français, ils arrivent sur le terrain, victoire acquise alors qu'ils n'ont pas encore joué et ils se font méchamment rouler dessus quoi. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure peut-être et au prochain streaming hein. Allez hop, je vais être objectif, on va regarder la défaite, voilà, ça c'est fait. On va juste voir les résultats de bataille. Hein. Donc comme j'ai dit au départ, hein, une partie à gauche, une partie à droite, personne au milieu. Et ils ne sont pas au courant qu'un front, c'est sur toute la largeur de la carte. Quoi. Alors... Équipe, allez, on va comparer. Alors, on va déjà voir par rapport au tiers. On a... Allez. Donc, tiers 4, on en a autant. Tiers 3. Et la preuve, on avait de nouveau un tiers supérieur à eux. Bon, avant, on avait deux tiers inférieurs. Donc, théoriquement, on aurait dû méchamment le rouler dessus, hein. Alors, après, quand on voit... Bon, comme dit... moi, avec mon engin de la mort qui tue, si les véhicules bougent, les missiles, bah, ils vont pas direct dessus, quoi. C'est pas capteur, filo guidé, quoi. Mais bon, on voit que, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs à... quoi à 0 véhicule détruit. Bon, moi, comme dit, c'est plus un soutien. Mais bon, je fais partie de ces 8. Et on voit que chez eux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc déjà 2, c'est énorme. La différence, franchement, elle commence déjà à être énorme. Donc là, nombre de véhicules ennemis que le joueur a été à détruire. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai un obus qui est parti derrière, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. 5, et eux, 1. Youpi, les boulets. Allez, les dégâts. Voilà, on a un joueur à 0 dégâts. Il a rien spoté, il a fait aucun dégât. Il a servi à... Rien. J'ai quand même réussi à spotter 7 bonhommes et faire 467 de dégâts. Ouais. On voit que... Voilà quoi, j'ai la messe est dite. La messe est dite quoi. Ouais, je vais faire un truc et puis je reviens peut-être tout à l'heure. Et à plus.